Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé de nouvelles smartwatches et celle-là, pour moi, c'était une énorme surprise. Et je voulais partager avec vous cette nouvelle montre. Alors, ça s'appelle la Huawei Watch 10. Alors, elle n'est pas encore disponible en Europe. Alors, ce qui est incroyable, c'est que d'abord, bon, déjà, je la trouve au design plutôt sympa. Et d'autre part, comme vous voyez, elle est relativement épaisse. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que elle a un tensiomètre intégré. Donc déjà, c'est la première chose. Et bien sûr, elle fait le ECG. Alors là, on voulait vous montrer avec vous comment on fait un ECG. Alors vous voyez déjà, honnêtement, je trouve que le tracé est superbe. Vous voyez bien l'onde P, le QRS, l'onde T et la fréquence cardiaque à 60 par minute. La qualité au niveau des tracés est juste extraordinaire. Ça génère comme sur les autres montres connectées un PDF de 30 secondes que le patient peut envoyer à son médecin. Et donc c'est assez. Je vous montrerai tout à l'heure des tracés. Et j'étais. Ah voilà. Et donc là, elle dit le CG apparaît normal. Voilà, donc c'est juste extraordinaire. Je vous montrerai les tracés dans un court instant. Alors elle prend aussi la tension. Est-ce que vous pourriez prendre la tension? Alors vous allez voir, c'est assez instinctif aussi pendant que la tension est prise. Vous voyez, on prend la tension, elle va gonfler. Voilà, vous voyez, les chiffres commencent à apparaître parce qu'en fait, c'est un tensiomètre qui gonfle. Et pendant ce temps, je partage avec vous les tracés. Alors, c'est bon, là, vous voyez, il dit rythme sinusal. Et si on va dans tous les tracés, voilà. Alors là, c'est juste extraordinaire. Vous voyez, FIB. Honnêtement, il n'y a pas de doute sur la F1, hein. Aucun doute sur la F1. Je suis déconcerté par la montre parce que c'est une consultation intégrée. On a la tension, on a la fréquence cardiaque, on a le CG, on a les tracés, on a la qualité des tracés. Alors là, voilà. Et le patient m'a bien indiqué qu'il a vérifié. Alors, je n'ai pas vérifié aujourd'hui en consultation, mais qu'il l'a vérifié avec le tensiomètre en même temps et qu'il disait que c'était quasiment les mêmes chiffres. Donc, enfin, là, je suis bluffé par la montre. Alors, elle n'est pas encore disponible en Europe. Alors, c'est la Huawei Watch 10, la lettre D. Honnêtement, qualité extraordinaire. Je serais curieux de voir. À quel prix elle sera disponible en Europe? Honnêtement, elle a quoi faire pâlir les plus belles montres. Elle a en plus ce tensiomètre, hein, je veux dire, par rapport aux montres habituelles, mais avec une qualité et des données de santé, je veux dire, on rentre dans des degrés, vous voyez, assez incroyables. Et bien sûr, la saturation. Alors, la saturation, j'avais été un peu déçu avec les autres parce que souvent je trompais, mais parce que. Rien que ma montre FitSync, ça me montre une saturation à 98% alors que j'aimerais bien avoir 100. Voilà, mais bon, vous avez la qualité du sommeil. Voilà, donc là, on fait une saturation plutôt de 97. Mais bon, voilà, on peut prendre une saturation. Mais honnêtement, très très agréablement surpris. Qualité du tracé magnifique. Ce qu'il y a de bien par rapport à FitSync, c'est que vous voyez le CG vraiment sur la montre en même temps. Donc c'est assez. Ah voilà, la SAT, j'aurais dû être un petit peu patient. 97. Alors la SAT, voilà. La SAT, toujours 98, 97 sur ces montres connectées. Je vois pas pourquoi elles ne mettent pas 100, mais ça, c'est un autre débat. Bon, honnêtement, fait quasiment un sans faute cette montre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mettez-nous un max de likes à la vidéo. Là. La montre, dans ce cas précis, a été particulièrement utile, parce que comme vous avez vu, elle a montré de la FA, et ça, moi je dis, c'est un ECG en FA, il y en a même plusieurs, et ça détermine la suite de la prise en charge dans ce cas précis. Stay tuned, merci beaucoup, et à très bientôt. Ciao, ciao.